Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un oracle. Il s'agit de l'oracle mantra de guérison, carte oracle de transformation de Matt Kahn et illustré par Joe Climat que j'ai reçu des éditions Très Daniel, le courrier du livre. Je remercie Isabelle qui me l'a envoyé pour le partager avec vous. Déjà c'est une très jolie boîte je trouve avec des nuages dans les tons bleus. Voilà, une petite boîte, c'est pas une géante boîte. Voilà, avec des écritures en doré. Et on va lire ensemble ce qui est écrit au dos. La magie des mantras de guérison. Matt Kahn vous propose 52 mantras de guérison pour réaligner votre esprit, votre corps, votre cœur et votre âme. Grâce à cet oracle inspirant, vous vous relierez à l'énergie bienveillante et transformatrice de l'univers afin d'exprimer votre plénitude d'être. Guidé par ces messages de sagesse intemporelle, vous découvrirez vos propres clés de guérison personnelle pour vous enraciner, vous libérer des tendances compulsives et des blessures du passé, dissoudre la colère, guérir le deuil, développer la confiance en vous, cultiver l'empathie et la joie de vivre, fortifier votre système immunitaire et manifester votre potentiel d'éveil. Voilà. Et on nous dit que Matt Kahn est un auteur américain best-seller, guérisseur reconnu et enseignant spirituel. Il est suivi par des millions de personnes dans le monde. Il a publié « Tout est là pour vous aider » au courrier du livre. Et ce coffret contient donc 52 cartes magnifiquement illustrées et un livre d'accompagnement de 68 pages. Et il est au prix de 24,90 €. Voilà. Donc, il s'ouvre tout seul. L'intérieur est très joli avec des tons mauve, poudré, pâle. C'est très très joli avec un petit symbole. Le livre est dans les tons roses comme ça. Moi, j'aime bien. Voilà. Et on va regarder le fond de la boîte qui est comme ceci, même violet clair avec des petits symboles. Voilà. Donc, on va mettre les cartes ici. On va regarder le petit livret qui est sur du papier glacé du coup. Voilà, hop, on a un sommaire avec une introduction, qu'est-ce qu'un mantra, et ensuite les cartes qui sont classées, si je vois bien, ouais, par ordre alphabétique, et puis à propos de l'auteur et à propos de l'illustrateur. Donc on a l'introduction avec qu'est-ce qu'un mantra, ça nous dit qu'un mantra est composé d'une phrase ou deux visant à réaligner votre esprit, votre corps, votre cœur et votre âme avec leur lumière éternelle, chaque fois que les exigences de la vie repoussent votre vraie nature à l'arrière-plan de votre expérience. Un mantra est la voix de la sagesse émanant d'un corps cosmique suprême dont le seul visage est l'unicité de tous. Un mantra nous rappelle la présence de la sagesse éternelle, etc., etc. C'est en général une petite phrase à répéter plusieurs fois au long de la journée, etc. Puis on a les cartes avec ici la première, par exemple, accueillir le bien-être. Ici, en gras, une petite phrase et l'explication ici. Voilà. Et on a ça du coup pour toutes les cartes et on a le petit symbole là. On en tirera une à la fin et je vous lirai du coup le petit message. Voilà. Un petit à propos de l'auteur et de l'artiste. Et voilà pour le petit guidebook. Voilà. Alors, ici, on a les 52 cartes. C'est sur du... On dirait que c'est mat, mais oui, c'est mat. Et le dos, on a la petite phrase qui est écrite en gras, je crois. Il me semble. Mais elles ne sont pas dans l'ordre. Ah, voilà. Ici, je crois que ça, c'est la première. Je vais regarder si c'est ce qu'il y a derrière ou pas. Par curiosité maintenant. Voilà, activer le troisième œil. Et est-ce que c'est cette phrase? Ouais, je suis prêt à voir au-delà de mes croyances, de mes idées et de mes jugements. Je sais pas pourquoi ils l'ont remis là alors qu'elle est dans le guidebook, ma foi. Ça aurait été peut-être mieux un petit dos unique, uni, mais bon, ma foi, pourquoi pas. Et ce que j'aime bien, vous voyez, hein, c'est le panel de couleurs pastel, c'est super joli. Voilà. Donc on a activé le troisième œil. C'est tout, c'est doux, hein, des couleurs pastel douces, c'est un petit symbole. S'ouvrir à l'appréciation. Amplifier l'abondance. Ancrer la lumière. Et je vous avoue que je n'avais pas de jeu sur les mantras. Pourtant, Dieu sait que j'en ai beaucoup, mais j'en ai pas sur les mantras. Demander un soutien angélique. Agir avec inspiration. Ici, vous voyez, en arrière-plan, on voit ici une forêt.
par exemple. Ici, on voit des montagnes. Équilibrer le cerveau. Apprivoiser la douleur. Ça me fait penser à un jeu que j'ai aussi, où il y a aussi un arrière-plan comme ça, derrière. Célébrer la simplicité. Encourager la coopération. Cultiver le courage. Déconstruire le doute, démystifier l'obscurité, découvrir le bonheur, dissiper la tristesse, dissoudre les jugements. Oh, ma bougie s'éteint, je vois de la fumée, j'ai déjà peur. Incarner mon âme. Embrasser la dignité, rencontrer le conflit, développer sa force intérieure, explorer la conscience de l'unité, exprimer son libre arbitre, je vais y arriver, accueillir le bien-être, on voit des fleurs derrière, ancrer son énergie, dépasser la culpabilité, guérir un chagrin d'amour, j'y arrive pas, entendre son guide intérieur, honorer l'adversité, illuminer la vérité, inspirer les autres, intégrer l'ego, inviter l'extase. Et de, en fait, derrière, on a le raccord de la couleur. Ici, par exemple, on a le bleu. C'est joli aussi. Invoquer la réalisation de soi. Invoquer la réalisation de soi. Libérer l'amour. Ouvrir son esprit. Vaincre la peur. Parfaire mon cœur. Transformer le deuil, recevoir l'allégresse, se détacher des attentes, dissoudre la colère, recâbler le système nerveux, j'aime bien les couleurs, reprogrammer le subconscient, partager la honte, apaiser l'impatience, transformer la tragédie, découvrir la confiance, se libérer du passé, s'alléger de la dépendance, dénouer, je vais y arriver, la négligence, se rendre en toute confiance. Et pour finir, reconnaître l'appréhension. Voilà. Donc, on va les mélanger et on va en tirer une ensemble, du coup. Et on va voir le petit message qui délivre. Oh, ben ça va, elles se mélangent bien. Comme elles sont mates, j'avais un petit peu peur. Mais je ne sais pas pourquoi elles sont un peu... Il y a une partie qui est ondulée. Je ne sais pas pourquoi. Il faudra que je mette des livres dessus pour qu'elles reprennent leur forme. Ben, c'est joli aussi quand on les mélange. Regardez avec les bordures colorées. Ça fait un arc-en-ciel. Mais du coup, il faut tirer à l'aveugle. Ou alors, il faut couper. On peut faire ça, à la limite, pour ne pas voir. On va couper le paquet et on prendra la carte qui est au-dessus de la coupe. Voilà. On va faire ça. Ce sera mieux. Comme ça. Comme ça, on tire à l'aveugle et on a celle-là. Exprimer son libre arbitre. On va la mettre là. Ceux-là, je vais les mettre sous le côté. Et du coup, comme elles ne sont pas numérotées, il va falloir chercher... Ou alors se repérer à l'index ici, ou alors chercher par ordre alphabétique. Alors, ah oui, c'est vrai que derrière, il y a « Mes choix déterminent à quel point je brille ». Alors, lorsque le libre arbitre est exprimé, la qualité de vos expériences ne repose pas sur les actions des autres, mais sur la façon dont chaque moment est considéré avec sagesse et amour. Vous ne rejoignez pas l'inconscience des autres, ni ne luttez pour avoir le dernier mot.
Au contraire, le libre arbitre transmet la luminosité de votre âme par la somme de vos paroles et de vos actions, même lorsque vous répondez à ceux qui n'agissent pas de leur mieux. Ce mantra est parfait pour surmonter un sentiment d'incapacité, atteindre des objectifs personnels et développer votre audacité. Voilà pour le petit message. Eh bien, franchement, il est très chouette ce petit jeu. Comme je viens de vous dire, j'en ai aucun avec des mantras. Et j'aime bien, moi, le côté épuré des illustrations avec des fonds de couleurs différentes, pastels. Je trouve ça très, très joli. Voilà. J'aurais peut-être mieux aimé un dos uniforme et pas le petit message au dos, surtout qu'il est repris dans le livret. Mais bon, ma foi, il est tellement joli que si on tire comme je viens de faire à la coupe, il n'y a pas de souci. Et regardez-moi ça comme c'est joli, cet éventail de couleurs. Voilà. Mais du coup, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce petit jeu. Si vous l'avez vu passer, si vous le trouvez chouette ou si vous n'aimez pas trop. Si vous avez des jeux sur les mantras, pourquoi pas, dites-le moi aussi. Si le message vous a parlé, dites-moi tout ça dans les commentaires. Comme ça, on partage tout ça ensemble comme d'habitude. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous. Et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.